Allez, huitième de finale, on commence bien par les 8 ans et moins garçons. Et oui, c'est la plus petite catégorie de ce Tour de France. Et c'est Dorian Tournivy du Club des Breux, la Normandie. Donc, c'est 8ème de finale. Alors que Victor de Vos pour le Club de la Gorgue est bien placé pour se qualifier éventuellement pour les quarts de finale. On est déjà lancé dans la troisième ligne droite. Et derrière, c'est très serré. Et ça fait une bonne fin de parcours. Et bien avec Quentin Vandilla. Le BMX Perrois, il est qui prend les troisième position. Et on va citer, et bien Diwan Vache, et bien qui se qualifie également. Deuxième, huitième de finale, c'est 8 ans et moins. Allez, c'est le moment, c'est l'instant. Il faut produire l'effort. Et notamment avec Mathieu Fougeon, il y a Lucien Andriac, Lucien Andriac, Lucien et Clément. Il faut produire pour le club de la région. Et bien sûr, bien sûr. Voilà, avec un leader, c'est Boucher, Andreas, le Maximois, la Côte d'Azur, la région PACA, bien sûr, et en seconde position, Boucher, Mathias, sous son glissement. Encore présent, sur le village du titre. Et puis on va voir, et si c'est pas la Rochelon, on va s'en manuer, et qu'il n'y en a où, c'est bien passé. Et ensuite, le dernier qualifié pour l'écart, c'est Clément Luet. Allez, encore un huitième de finale. Et bien de cette catégorie des 8 ans et moins garçons, avec actuellement eh bien Quentin Guigou. Quentin Guigou qui est parti d'enfer, et bien sur la piste de Nagel. Allez, on tente de se placer maintenant et bien avec Valentin Moreau, le Stéphanois qui occupe la deuxième position, alors que Thibaut Écoré pour Saint-Jean d'Angély va peut-être passer un tour de plus dans cette compétition, alors que Nolan de la Chienne. Pour le club du Quévert, et bien doit résister, il doit résister à Luca Bonzinali, et bien qui aura fait le maximum, et qui termine en 5ème place. Et c'est reparti avec Licoto Bastien, le numéro 87, c'est d'ailleurs lui qui a pris la tête, c'est le plus qui joue, le second SML, c'est la première position, et il est reparti un coup de maillot, il y a Paul Blanquet, il y a Lucas Hernandez, Bastien Marti, et Milan Le Marlon de Franconville. Voyons voir. Le départ qui est donné, qui est lancé, et bien dans cette arène de BMX, et la bonne sortie est pour Martivienne, le club de Verneuil, et bien qui est à l'initiative, et on va se lutter avec les finales, avec d'ailleurs Martivienne dans ce premier virage, et bien pour se placer avec MJ Gopal, le CSS des Micros, et bien qui attaque éventuellement, et bien pour prendre l'avantage, voilà, c'est et une belle dernière de ses candidats. Et je reviens à la troisième position, c'est Kéder Wenchen. Et il occupe la troisième position. Et on va éventuellement se qualifier avec Elwin, le Guinic, le Guinec. Toujours une huitième de finale dans la catégorie. Avec le joueur de Bisson et Zon. La de Michel et Kisoki. En 5ème position. Allez, avec Maël Calmé, Damien Père, Clément Dubois, Lucas Charbonneau, et c'est quatre fous. Avec monsieur Damien Père, avec le numéro 41, et bien qui a pris devant à 2001, avec Lucas Charbonneau, et la société, et bien le vélo cyclique de Fontaine, et bien occupe la deuxième position. Et bien, on tente de réagir avec le Clément Dubois. Alors, c'est le côté de la terre, il y a tout cher, Clément Dubois. Et bien, il y a une quatrième position. Alors que Maël Calmé, et bien, pour le club d'histoire, et bien, se place.
Saxe et les premiers cavaliers de finale. La dernière huitième, c'est le 8 ans et moi maintenant, avec Chaudin Lucas, le Stéphanois, qui est pas trop mal sorti de la ville des Bains, dont Joulubin, pour le club de Tiver, en Bretagne, a pris la deuxième position. Et là, j'en manque la piste, j'en parle de l'Ordre, avant Chalimau et Jean de Gauza, à de l'Ordre en Amérique, et premier ce champ, Martin, de Collinaire Américs. Les deux premiers, je vous ai déjà cité le nom. Se qualifier, c'est Enzo Fabre Vergara du Bike Academy.